seul. Il lâche sa vraie team. Il est du 2 pirates. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a que des princesses. C'est nul. Je pense que la bataille va être dure. Elle va être dure, la bataille, Victor. Vous avez perdu d'avance, les gars. Ouais, je pense qu'on va perdre. Mais bon, on va se battre. C'est maintenant. Voyez les passes. Let's go!
C'était la battle, deuxième partie, la revanche. Mesdames et messieurs, vous les enfants, bonjour à tous, le capitaine et l'ensemble de l'équipage vous souhaite la bienvenue à bord du Polybron. Notre croisière durera environ 15 minutes. Là, du Molly Brown, on peut bien voir les travaux. Ah, même le restaurant, partie droite, a été touché. Les sols sont refaits. Ah,
On aura un Phantom Manor tout beau après. Deux montagnes, Big Thunder et Space. Hyperspace pour l'instant. Petite promenade sur le Molly Brown, j'en profite pour faire du footage de Big Thunder Mountain. Ce sera pour une prochaine vidéo, histoire et secret. Ah, attendez, geyser. Ce qui est curieux avec le Molly Brown, c'est que malgré tous les bruits qu'il y a autour, on est au calme. C'est, je sais pas comment l'expliquer, mais on est bien, c'est assez bucolique. Et voilà, c'est vraiment un petit bonheur. J'en ferai bien un deuxième tour, et bon, on a autre chose à faire. Voilà donc. J'adore. Qu'est-ce que tu chantes? Tu erres à la recherche de la terre. Ulysse 31, ça a beaucoup de rapport avec Frontierland. Oh, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Je suis Nono. C'est gênant, très 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 gênant. Pourtant, je sais que j'ai quand même l'édité, mettre ça dans le vlog. Voilà, Ulysse 31, Frontierland. Très Disney, très Frontierland, très western. Ah, Victor, parce que j'avais pu, j'en ai parlé, mais j'avais pas les dates, comme toujours. Phantom Manor, la réouverture. C'est en octobre. Octobre. Il n'y a pas de date précise. Octobre, il n'y a pas une date précise, c'est en octobre. Tu as porté des chapeaux? Oui, il est chouette. J'aime bien, c'est ça. Oh, c'est les petites têtes de Jack. La tête de Jack. Ouais. Tu fais un peu un Disney World de Jack. C'est bien la fille. Même pour le Dapper Day, ça peut être classe. Oui, pour le Dapper Day, ça peut être classe. Je fais un Disney Band discret. Ce garçon aime bien Jack Skellington. Prochaine fois. J'en ai rêvé, j'avais déjà Frontierland Discoveryland, ils ont fait Fantasyland et Main Street Station. Affiche avec ticket. Super. Donc. Discoveryland et Frontierland étaient sortis il y a plusieurs mois.
Je me demandais, parce que je sais pas si ça s'est beaucoup vendu, donc je me demandais s'ils allaient faire les deux autres stations, Fantasyland et Main Street Station, et c'est fait. Alors, je vais montrer une par une, ce sera mieux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Hop. Donc, l'affiche de la station. Avec le billet de train. Et derrière, il y a... C'est pas un certificat, presque. Voilà. Et Fantasyland, la même chose. De toute façon, je ferai un jour, je vous montrerai un petit peu la collection. J'en ai un sur Insta, on met quelques photos, quelques pièces. Un jour, on montrera plus en détail, avec des explications, bien sûr. Donc pareil, le billet et l'affiche. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ouais, c'est un billet première classe. Minimum. Ah, une chose derrière. Hop. Voilà, les quatre stations. Je suis heureux. Le spectacle Joyeux anniversaire Disneyland Paris bat son plein. Ouais. Alors, j'ai pas zoomé, je sais pas si vous avez vu, on a eu un peu léger d'eau. De toute façon, je vous invite de voir la vidéo du spectacle, parce que ça a été filmé en intégralité, on était juste devant. Voilà, voilà, voilà. And from Kieland, it's place to be. En arrière-plan, t'as une femme avec un cochon. Oh my god! Moana. Enfin, non, c'est pas Moana, mais le cochon vient de Moana. Ah, c'est ça, Moana. Mais en fait, vlog, c'est un nom ou un verbe? Je sais pas si on dit faire un vlog ou leur vloguer, je sais pas. Je vlog, tu vlog, il vlog, nous vloguons. Vous avez... Ouais. Bah, c'est un mot créé, enfin c'est... C'est dans le dictionnaire? Je pense pas. À vérifier. Là, la nana, il doit se foutre de notre gueule, il doit se dire, oh la vache. Les cons, ils font des vlogs, ils savent pas ce que c'est. Si, on sait ce qu'est un vlog, mais le mot vlog... Bah déjà, ah. C'est dérivé de blog. Vlog, c'est un mot. Mais c'est dérivé de blog, déjà. C'est dérivé de blog. Bah, c'est un blog vidéo. Et donc, blog... Est-ce que c'est un verbe ou c'est un nom? Je blogue, tu blogues, il bloguait. Bloguer? Bloguer? Faire un blog, ouais. Ouais, mais c'est comme stylé. Vous dites tous c'est stylé, mais stylé n'est pas un verbe. Donc déjà, ça c'est pas correct. Donc est-ce que vlog est vraiment considéré par exemple comme un verbe ou non? Est-ce que c'est dans le dictionnaire déjà? Est-ce que c'est reconnu? Mais qu'est-ce que j'en sais? Enfin, je suis pas le petit Robert, moi je suis le petit Victor. D'accord. Non, t'es pas petit. Je suis grand Victor. D'accord. C'est pas qu'on ne sait plus quoi faire, hein. C'est on a plein de choses à faire. Mais c'est, la question m'a traversé l'esprit, j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà. Donc ça va être la question dans vos commentaires, parce que je trouve que vous êtes un peu mou au niveau des commentaires. Oh, le mec, il nous fait des critiques avec 77 abonnés. Ah, il va passer à 7 abonnés. Ouais, il est fou celui-là. Non, je sais pas des critiques. C'est juste, n'hésitez pas à faire des commentaires, quelque chose de constructif. Voilà, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Dites-le. Uniquement ce que vous avez aimé. Faites que des likes. Voilà. Ah, une copine. Liv. Liv. Youhou. Elle est là-bas. T'es affichée dans le vlog, Liv. T'as même pas dit bonjour. Ces gens passent une après-midi avec toi, semaine cette d'après. Jeunesse. Ouais, cette jeunesse. Cette jeunesse, là. C'est dingue, ça. Oublie les gens au bout de deux minutes. Moi, je veux pas être montré. Ah, elle veut pas être filmée, du coup, elle s'est dit oh les cons, ils sont encore en train de filmer, je me barre. C'est vrai qu'on filme beaucoup et encore, vous ne voyez pas tout. Heureusement. Mais c'est prévu. Ah oui, alors j'en profite. Y aura une vidéo bloopers. Quand je ne sais pas, j'ai essayé de la faire dans les 15 jours qui suivent, il y aura une vidéo bloopers. Ça promet, il y a déjà des choses que vous avez vues. Le premier vlog, j'ai failli tomber dans Star Trader. Ma facilité à perdre les gens avec qui je suis. Mais il y a vraiment énormément de choses qu'on a coupées. C'est assez intéressant. C'est pas pour nous ce que ça va nous coûter de montrer ça.
Mais faut qu'on partage avec vous pour récompenser nos fidèles abonnés depuis le début. Il va y avoir de la vulgarité. Il y aura de la vulgarité. Avant, on mettra un avertissement interdit moins de 16 ans. 16 18 18, je pourrais pas regarder la vidéo. Ouais. Je peux pas regarder la vidéo. Enfin, je surveille ce que tu regardes. Voilà. Bon. Enfin, on a mis du temps. Enfin. C'est pour ça qu'ils sont les humains.
Voilà, pour nous ça se termine là, pour aujourd'hui, la semaine prochaine on te fait un full day, heure de magie en plus jusqu'à la fermeture du parc, 8h-23h. Là on a les petites choses à faire sur Paris, donc on va rentrer, Victor reste un peu, ça c'est pas vraiment passionnant pour vous. Donc je voulais juste, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, un grand merci, et vous êtes super les mecs, à Gameland78, Enzo et Evan, Liv on t'a vu, petit coucou hein, si tu regardes le vlog. Voilà, bah une prochaine.